Salut les gens, c'est Tardarine. On se retrouve pour aller dans la zone continentale. Il nous reste 4 biomes à trouver, lagune, bambou, tournesol et forêt de feuillus. Et il faut qu'on fasse de la découverte d'animaux, donc des tortues, des oiseaux qui sont en fait des paons. Là, on va avoir des pandas, des oiseaux de proie, des sangliers et le dernier, je ne me rappelle plus. Et on va avoir une petite dizaine de paramètres climatiques à atteindre. Donc, en route pour la ville inondée. Alors, la restauration de zones urbaines présente une série de défis uniques. Vous devrez composer avec le béton préexistant lorsque vous draguerez le fond de l'océan pour créer des terres sur lesquelles faire pousser des plantes. Les villes abandonnées peuvent également abriter des matériaux particulièrement dangereux, à savoir des déchets radioactifs. Une fois le dragage terminé, recyclez les dragues. Vous pouvez ensuite placer des turbines marémotrices dans les poches d'eau profonde creusées par vos machines. Alors ici on a un magnifique dépôt de déchets radioactifs, c'est de toute beauté. Là on en a un deuxième ici. Ils sont pas mal entourés de bâtiments, ça va nous faciliter les choses parce que les bâtiments qu'on va devoir utiliser pour pouvoir ensuite dépolluer et décontaminer la zone vont nécessiter d'être construits sur des structures préexistantes. Alors, on va draguer. L'intérêt de pouvoir draguer comme ça, c'est de rajouter du sol partout où on le peut pour avoir davantage de zones de construction. Et une fois qu'on en a fini avec tous ces bâtiments-là, et ben on peut les réutiliser, donc les recycler, pour pouvoir se faire un petit peu d'espace. J'aurais peut-être pu le mettre de l'autre côté pour récupérer ça en même temps, mais c'est pas grave. Alors, ici, de ce côté-là, on va se faire. Je pense que je n'ai pas le choix. Ouais, on va se mettre plutôt comme ça pour commencer. Ensuite, ici. Parfait, excellent. Et au fur et à mesure qu'on drague, la stabilité géologique descend. Quand on va arriver à 0%, tout va se casser la figure et les dépôts radioactifs ici vont péter. Et on n'aura plus que nos yeux pour pleurer. Alors là, je peux pas récupérer. Là, je peux récupérer deux. On va le faire. Très bien. Ensuite. Alors là, c'est pas foufou. Mais je pense que je vais quand même le faire. Alors, si je fais ça, ça n'aura aucun intérêt. On va commencer par faire ça. Et ensuite, je vais tout de suite m'en positionner une là. Parce que sinon, je sens venir la catastrophe. Est-ce que je peux aller? Ah, je me suis bloqué, je vais pas pouvoir aller les récupérer. Je vais pas pouvoir récupérer ni l'une ni l'autre. Alors. Bah perdu en fait, parce que là j'avais fait ce mouvement-là. Bon bah tant pis. Ces deux-là, on les récupérera plus tard. J'avais pas vu que ici, en fait, ça bloquait tout et qu'on pouvait pas passer. Donc je me suis bloqué en fait tout mon passage pour pouvoir aller récupérer mes dragues. Comme c'est embêtant. Alors ici, on va commencer par ça. Parce qu'après, il va falloir qu'on entoure quand même ces sections-là. Si on n'entoure pas les dépôts de déchets radioactifs, on va être très embêté par la suite. Parce que ça veut dire qu'on ne pourra pas les dépolluer de manière efficace et créer des champs de tournesol autour. Hop là. Alors ensuite. On va peut-être se faire ça comme ça pour commencer. Ah, c'est peut-être un peu proche quand même. On va pas le mettre trop proche. On va pas le mettre trop proche. On va s'éloigner un petit peu.
Par contre, si je m'éloigne de trop, bah c'est là tout le souci, c'est que si je m'éloigne de trop, en fait, après, je peux pas. Hop. Est-ce que ça passerait? J'ai pas l'impression. Si. Nickel. Je vais peut-être faire un comme ça. Ensuite, je pourrais faire un deuxième si. Ouais, on va faire ça progressivement. Je vais d'abord me faire un bon niveau de sol par là. Ensuite, un par ici. J'en ferai un troisième plus de ce côté-là. Ouais, comme ça, c'est bien. Ça, c'est très très bien. J'aurais bien aimé que ça me mette un peu plus de ce côté-ci, mais visiblement, ça va pas vouloir. Pour me contenter de celui-ci, je pense. Parfait. Et là, je peux recycler les deux. C'est très intéressant de recycler les vieilles structures. Je sais plus comment ça s'appelle, les gratte-ciels abandonnés. Parce que c'est ça qui va nous permettre ensuite de poser d'une part des forêts de bambou et de récupérer des matériaux supplémentaires pour nous faciliter les choses. Alors, par là. Par là, je suis un peu embêté parce que le mieux que je vais pouvoir mettre, c'est par ici. Ça va pas nous faciliter vraiment la tâche dans le secteur. D'ailleurs, j'aurais peut-être pu commencer plutôt par mettre par ici. Non, parce que ça va vraiment nous boucher les choses. C'est pas. Ouais, non, je pense que le mieux c'est encore de faire ça comme ça. C'est là où on aura le moins de problèmes. Parce qu'il nous faut vraiment pas mal de terre autour. Hop. Là, je pense que ça va être un peu short. Je récupère les deux ici. On va aller mettre une nouvelle drague. Je pense par là, ça pourrait être pas mal. On va voir ce que ça va donner. Ouais, ça me semblerait être une bonne chose de mettre ça ici. Hop là, très bien. Alors, si je me mets là, je suis une case trop loin, c'est dommage ça. C'est pas grave, on va le faire en deux coups. Je vais tout de suite. On va peut-être pas aller récupérer ça tout de suite. On peut se mettre encore une drague supplémentaire. Alors avant, je vais quand même me positionner deux, trois petits trucs. Éviter de me faire avoir comme un bleu. Alors là on pourrait, mais je pense qu'on va avoir des soucis avec la radioactivité. Je vais au moins en mettre un là. Un là. Et un par ici. Juste pour quadriller la zone, parce que je veux pas prendre le risque de me retrouver sans énergie dans le secteur. Hop là, très bien. Par contre là je suis un peu plus embêté parce qu'on va pas pouvoir récupérer facilement cette zone là. Ça va être tendu, ça va être tendu. Allez hop, je me mets ici au plus proche. Non, c'était pas une bonne idée. Alors, on s'étend un maximum par ici. Comme ça, c'est bien. Ici, on s'étend un maximum par là.
Il va me dire que je ne peux pas, une fois de plus, aller récupérer ça. Donc, mauvais bail. Mauvais bail. On va se mettre plus proche. Et là, on peut. Largement. Ouais. Allez, on va récupérer ça. Et je me place une nouvelle petite zone. Alors bien évidemment, avec tout ça, il va nous dire c'est gentil, mais on commence à manquer de ressources. Rendez les ressources, Pénélope. Hop là. Je vais commencer par récupérer un petit peu de ces ressources. Tout à fait raisonnable. Où est-ce que ce serait intéressant? Là, on a du moins 20, moins 30. Ouais, pas folichon, folichon. Le fait qu'on n'ait pas de la possibilité de récupérer ces deux bâtiments est assez encombrante au final. 5. On va s'en sortir malgré tout, je ne m'inquiète pas. Plus 13, je prends. Trois, je prends également. C'est tout bénef. Alors ensuite, moins 24, ici moins 10, on va prendre le moins 10. Hop là, et là je vais commencer à remettre un petit peu de verdure. Cinquante-cinq, allez, 55. Très bien. Ensuite, on va partir par là-bas. L'avantage des épurateurs, c'est qu'on peut les construire, y compris sur les structures en béton. Ça nous avantage grandement. J'aimerais bien le mettre plus haut, mais bon. Mais bon. Compliqué. Alors, moins 40, moins 38. Moins 38. Moins 28, c'est très bien ça. Et le dernier. Hop, par là. Allez, on continue. Est-ce que je peux en positionner un par là? Oui, je peux. Hop, parfait. Je pourrais faire 95. C'est un peu... 42. 42, je vais le faire. Quoique, okay. Non, je vais pas le faire. Vous allez vite comprendre pourquoi après. À 93, c'est parfait. Hop. 61, c'est pas foufou. Là, j'ai 103. Si je fais dans ce style-là plutôt, 66. Ouais.
119. Allez, 119, ça sera nickel. Quatorze, 120, 120, 120, ce sera parfait. Hop. Je vais me rajouter encore ici et là quelques épurateurs. Il nous en faut plus. Là, j'ai un plus 20, là j'ai un moins 5. Plus 5, pardon. Ok, on va faire ça comme ça. Trente-neuf. J'y vais lentement mais sûrement. J'aurais vraiment aimé pouvoir en mettre un là-haut. Je suis un peu embêté là. On va faire ça sans. Plus 46. C'est pas. Ça fait pas rêver ça, plus. 31, allez, plus 31, on va dire que ça va passer ça. Plus 81, allez, plus 81. On le fait, mais c'est exclusivement parce qu'on a besoin de revégétaliser à fond. Sinon, on ferait pas ça comme ça. Allez, plus 5 ici. Moins 47 là. Un moins 35 ici. Je vais essayer de finir en beauté. Alors moins 33. Ouais, moins 33. Parfait. Et maintenant, on va essayer de rajouter un max de trucs sur 71, 75. 75, ça sera très bien. Et ici. Je vais partir plutôt par là. Dépasser les 100%. Même pas. Ça m'emmerde. 100, ça me dit 100%. Ah non, ok, ça me disait 100%, mais c'est bon si j'étais là. 86. Ok, on va faire ça comme ça, ce sera très bien. Mais non, il m'a encore mis que 99. Mais. Quelle saleté. Ah ouais, non, il n'y a pas à dire. C'est, ça m'indique 100, mais au final, non, ce sera 99. Et quitte à ce que ce soit que 99, hein, j'ai envie de dire. On va se faire plaise. On va se faire plaise. Hop, hop, hop. Hop là. Maintenant que ça c'est fait, le dragage peut avoir rendu le sol instable, mais cela ne doit pas vous empêcher de créer de la biodiversité en façonnant des lagunes et des bosquets de bambous. Dans les infrastructures de gratte-ciel, faites aussi pousser des forêts de feuillus dont les racines briseront le béton. Donc là, bientôt, la stabilité géologique va se casser la figure. Je peux pas encore construire de ces héliocages, hein. Il faut d'abord attendre que le reste est pété. Je vais peut-être tout de suite aller créer aux endroits qui sont vraiment nécessaires les bâtiments dont on a besoin pour pouvoir ensuite aller calmer les aimables petits bâtiments. On va avoir dans le secteur. Ah là, je vais être emmerdé. Alors, un comme ça, un comme ça, un comme ça. Je vais les entourer à mort. Ça, j'aurai pas de problème. Et je vais me créer par ici, plus 67, ça sera très bien. Première forêt de bambou. Ah mais du coup j'ai pas pu récupérer ça, ça c'est embêtant ça. Ça c'est très embêtant.
Ça y est. Stabilité géologique à 0%. J'espère que ça va pas trop me péter de bâtiment. Ça va, on s'en sort, on s'en sort. Du coup, je peux rajouter les héliocages ici et là. Nickel. Là, on a bien géré comme il faut. Du coup, on n'a pas eu de radiation. On a bien géré. Et ça va nous faciliter grandement la tâche pour la suite. Donc, je peux rajouter encore un petit peu de bambou. Voilà. Du coup, on a tout ce qu'il nous faut dans le secteur. Nickel. Et on va pouvoir commencer à rajouter les conservatoires végétaux. Ça, en revanche, ça va être un peu plus embarrassant. Là, je pense qu'on risque d'être un petit peu gêné. Alors, est-ce que je peux me faire... Oui, je peux faire des trucs comme ça. Hop là, parfait. Ce qui veut dire que maintenant, je vais pouvoir augmenter la superficie sur laquelle on va pouvoir travailler. Ça m'arrange très bien. Alors là, ça va être un peu plus gênant, je pense. Il va nous falloir sans doute rajouter un petit peu de d'électricité encore. 42, on va s'en sortir. On va s'en sortir. Là, je suis un peu trop loin. Là, je pense que ce serait opti de mettre ça comme ça. Presque opti. On se ferait un petit moins 30. Parfait, nickel. Donc avec ça, est-ce que... Ah non, ça va pas fonctionner, ça va pas vouloir. Alors, est-ce que... Non, je peux pas non plus. Et comme ça, là déjà, ça marche un petit peu mieux. Hop. 89, parfait. Les fleurs vont commencer à pousser. Nickel. Ici, est-ce que je pourrais... Ah, ça va être compliqué. Là, c'est le mieux que je vais avoir, 31. Ok. Est-ce que je peux faire quelque chose d'intéressant ici? J'ai du plus 7. C'est pas foufou. On va faire avec, j'ai envie de dire. Est-ce que je peux rajouter... Oh, je pense que oui. Hop. Je vais pouvoir rajouter quelques pylônes ici et là. Alors normalement, vous n'aurez pas la chance d'avoir tous les bâtiments directs et aussi peu de radioactivité. C'est moi qui ai plutôt, entre guillemets, bien géré les choses parce que j'avais déjà les bâtiments. Dans votre partie, vous aurez forcément à lutter avec la radiation. Donc ne prenez pas forcément au pied de la lettre ce que vous voyez là. Vous pourriez avoir des déconvenues. Moi, j'ai de la chance d'avoir déjà travaillé la zone une fois sur une autre partie et donc ça me facilite grandement la tâche. Hop là, très bien. Ensuite, la température n'est pas assez élevée. Alors, si la température n'est pas assez élevée, on va faire en sorte qu'elle le devienne. Alors, on va éviter de faire cramer du bambou, je pense, même si là on peut en rajouter. Donc, au final, pourquoi pas, hein? On va pouvoir faire cramer du bambou. Plus 6 degrés. 6, 6, 6, 5. On va faire cramer pour 6 degrés. Il faut que on atteigne 25 degrés Celsius. Si on veut avoir de la pluie, il nous faudra 85% d'humidité. Ça, il faudra voir comment on peut s'en dépatouiller. Là, on aurait dû plus 5. Est-ce que je peux tendre un pylône jusqu'ici et ensuite faire un plus 6? Ouais, je peux faire un plus 6. Très bien. Plus 3, plus 5, plus 5, plus 6 ici. Ça me va très bien. On va essayer de cramer là où il y a le moins de trucs déjà présents.
Plus 7, ça nous amène à 28. Il faut qu'on aille à 25. Ok, donc j'ai pas forcément besoin de cramer beaucoup de choses. Il faudrait juste un petit 6 par exemple. Alors surtout pas là-bas. Soyons pas bêtes. Non, mais je pense qu'on va cramer ça. Ce sera très bien. Parce que là, plus 3 seulement, plus 4, plus 4, plus 5. Ouais. On va faire le plus 7. Ouh, là, on pourrait avoir un plus 8. Plus 7, ça sera très bien. Hop là, on a les 28 degrés. Excellent. Maintenant, on va essayer de se faire un peu d'humidité. Alors là, plus 8, plus 7. J'aurais pas mieux. Plus 13. Ah, là, on parle là. Plus 13 également. On va commencer par ce plus 13, qui me semble tout à fait adéquat. Là, je vais caler un petit truc électrique en plus, ce qui va me permettre ici d'avoir un plus 11. Pas piquer des hannetons. Ensuite, là, on a du plus 9. Là, on a du plus 10. Oh, c'est bien ça, plus 10. J'ai pas mieux, j'ai pas mieux. Bien, plus 10 ce sera. Plus 8, plus 9. Trop proche de l'autre. Ok. Là, on a que 9. On va faire 9 déjà, ça va nous amener à 70. Et il faut qu'on monte à 85. 6. Plus 5. Alors, est-ce que dans le secteur on pourrait pas faire mieux avec un comme ça, un comme ça, et en ayant ensuite. Là, j'ai plus 6. Plus 6, hein. Et ici, on a un plus 8. Ouais. Qui nous amène à 90. C'est parfait. Donc, on va pouvoir avoir de la pluie. La pluie qui va finir de dépolluer l'ensemble de la zone et qui va nous permettre d'aller combler le reste. Ça, c'est plutôt pas mal. Et là, on devrait être plutôt bon. Les températures sont communes. C'est-à-dire qu'il fait quand même un petit peu chaud par rapport à nos arbres. Voilà, on a plus 15, c'est pas foufou. On va attendre. On va attendre que la pluie fasse son œuvre. Comme ça, on aura plus de facilité pour le reste. Alors ensuite, regardons le purificateur thalassique. Alors, on peut commencer à en mettre par ici. Je vais en mettre un, ça sera très bien. On doit pouvoir en mettre un là-dedans. Non, on peut pas. La zone est trop grande pour être nettoyée. Là aussi. Là, on est bien, un petit 84. C'est parfait. Si on veut s'assurer de nettoyer par-ci par-là, il va nous falloir. Alors, où est-ce qu'ils sont cachés? Faire des petites lagunes supplémentaires. Alors là, je pense qu'on peut s'en faire une assez facilement. Dans le secteur, on se fait un plus 45. C'est pas mal, c'est correct. Contre, je pense que dans le secteur. Où est-ce que c'est caché? Ouais, ici ça va être compliqué, compliqué. Alors on doit pouvoir se créer une zone juste là, toute petite. Mais là, ça va être très très compliqué de clore. Alors, peut-être que là, on pourrait se faire quelque chose. Voyons voir. Zone trop vaste. Et de toute façon, on n'a pas d'emplacement suffisamment grand. C'est foutu. Là-bas, on pourra pas. Alors, est-ce qu'on pourrait éventuellement clore ici? Clore là. Non, on n'a pas la place. Alors, si on n'a pas la place, ça veut dire qu'il faut qu'on se rajoute un petit détonateur. Juste là. Qui va nous permettre ensuite de rajouter. Voilà, plus 17. Nickel. Là, on est bon. On va se rajouter une petite forêt de bambou parce que visiblement, on n'en a plus assez. Voilà, parfait.
Et maintenant, on peut commencer à aller positionner un bon paquet de conservatoires. Voilà. Avec ça, on est plutôt serein, je trouve. Parfait. Vous devez recycler toutes les structures humaines, réintroduire des animaux et construire une fusée interstellaire afin de quitter la Terre, lancer des balayages par satellite pour récolter des graines sur toute la planète et stocker-les dans la salle dédiée à bord de votre fusée. Enfin, portez ce guide dans le cockpit de votre vaisseau et laissez derrière vous une nature entièrement restaurée. Ça en fait des choses à faire. Donc, drone de recyclage aérien déjà pour commencer. Hop là. Ce qui nous fait une station terrienne à satellite. Ah, j'aurais tellement aimé la mettre sur un bâtiment. Tant pis, on va la mettre par là. Là, on envoie le ballon sonde qui va nous permettre ensuite, via une nouvelle interface, d'aller récupérer des graines aux quatre coins du monde. Là, je vais mettre le silo de ma fusée. Hop. On va pouvoir commencer à la construire. Mais d'abord, on a plein de petites choses très sympathiques ici. Donc là, on a des nœuds de monorail. Ça tombe bien, on les avait déjà. Je vais également me faire un petit, une petite zone d'exploration. Hop là. Espèce animale découverte, 0 sur 3. Alors, ce reptile, la carapace, aime nager dans les grandes lagunes. Alors, je pense que là, une grande lagune, ça devrait être pas mal. Parfait. Donc, on a trouvé les tortues de mer. Ensuite, ce galliforme resplendissant se pavane dans les vastes prairies. Il m'en faudrait un qui soit pas trop loin, quand même, de ressources, je crois. Ah non, on s'en est sorti. Alors, on peut parfois trouver ce doux géant assis dans une clairière en train de se régaler de bambou. Toi, clairement, tu vas être par là. L'air de ce rapace féroce se trouve le plus souvent dans une haute structure près d'une source de proie. Donc, ce ne sera pas pour tout de suite. Alors, ce suiforme très répandu fouille les sous-bois des forêts de feuillus à la recherche de tubercules. Donc, toi, tu es clairement par ici. Ah. Alors, on ne l'a pas trouvé, lui. Oui, les sous-bois des forêts de feuillus à la recherche de tubercules. Alors, on a suffisamment, on a 12 cases de type forêt, ok. Mais il faudrait autre chose. Probablement du sous-bois, enfin de la plaine. Ouais, c'était ça. Une case de type végétation à proximité, très bien. Et alors, lui, est-ce que lui. Ah, lui, ça va être très compliqué. Parce qu'il faudrait des proies à côté, mais ça va manquer. Alors, un mammifère marin menacé d'extinction nage à toute allure au milieu des forêts de Varek. Ça, je pense qu'on peut le trouver par ici. Des loutres. Oh, des petites loutres. Trop mignons. J'espère qu'on pourra les voir. Tiens, on a 5 animaux sur 3. C'est plutôt pas mal. Alors, lui, par contre, il va pas être coton à récupérer. Il faudrait qu'il y ait des cochons pas loin de lui, mais... Compliqué, compliqué. On verra si on peut trouver au fur et à mesure, mais... Ça risque de ne pas être très simple. Enfin bon, là, on va commencer à faire un petit peu de ménage. Commencer par aller récupérer ces trucs-là. Sûr, il y en a un là-bas qui n'a pas été pris. Hop. Je touille trop loin. Voilà, comme ça, ce sera très bien. Alors, on pourrait sans doute faire plus de petits en termes de points. Mais je pense que je vais pas trop me casser la tête. Vu qu'on a un drone volant, on n'est pas obligé de se... faire suer. Alors je pense que là on va pas avoir d'autre choix que de faire ça comme ça. Hop, parfait.
entre guillemets, ça coûte quand même moins cher si on arrive à faire ça comme ça. C'est trop loin, on va être obligé d'aller là. Visiblement, on pourrait commencer à récupérer aussi des graines, celles de semences satellites, mais je vais commencer d'abord par vider un maximum la carte, faisant attention de ne pas supprimer les deux bâtiments qui sont là-bas. Eux nous sont plus que nécessaires. Ouh, là-bas ça va être un peu pénible. Alors, est-ce que... Ouais, je peux les récupérer en faisant ça. Est-ce que ici... Non, ici ce serait trop loin. Parfait. Le drone aérien est d'une praticité sans nom quand il s'agit de récupérer un tas de bâtiments. Alors, j'ai peut-être essayé de faire ça comme ça. Ou alors au contraire d'aller au plus loin possible. Ah, et je pense que j'aurai pas le dernier poteau. Ouais. Hop, on va mettre ça là. Oh bah même comme ça en fait je l'ai pas. C'est bien ma veine. Allez hop. Je me suis embêté pour pas grand chose je pense. Du coup j'ai peut-être... récupérer un petit truc comme ça. Ouais, on va faire ça comme ça. Parfait. Ensuite, il faut qu'on récupère ceux qui sont là. Je pense que là-bas, ça va être compliqué. Alors, on va déjà en faire un ici. Ah, je... Non, je pense pas que j'aurais pu. Je ne pense pas que j'aurais pu. Et de toute façon, ici, j'ai deux bâtiments récupérés. Parfait. Il ne nous restera plus que ceux-là ensuite. Pour l'instant. Hop là. Je vais construire la fusée. Ça va progressivement me débloquer les différents... différents lieux où je vais pouvoir aller récupérer des semences. Vous allez voir, ça va pas être la partie la plus fun, mais au moins vous saurez comment ça fonctionne. Vous allez voir, c'est très simple. Hop, je vais finir la fusée pour commencer, comme ça ce sera fait. Au fur et à mesure, quand vous voyez les petits... les petites animations là sur le bâtiment en bas, c'est qu'on débloque en fait des nouvelles zones sur lesquelles on peut récupérer des semences. Nécessite de rappeler le satellite. Parfait. Donc on va commencer par aller récupérer les différentes semences. Donc allons par ici. Donc là, on est sur notre propre zone et on va pouvoir aller récupérer un paquet de petites choses. Vous cliquez sur le bouton et progressivement ça remplit les jauges. Vous avez vu, c'est waouh. Là, là, je me redonne un petit coup, ça complète la partie bambou. On va pouvoir ensuite aller compléter le reste gentiment. Voilà. Où est-ce qu'on a encore du... Ici. Ici c'est très bien là. Allez paf. On a tout ce qu'il nous faut de tournesol. Et donc maintenant, on en part ici, on aura tout ce qu'il nous faut, je pense, pour la forêt. Voilà, nickel. Du coup, on change de ville. Toundra. Bam. On récupère tout ce qu'il nous faut ici. Alors, ici... Ici, ça manque un petit peu de... Ah, on a du fine... Fine boss par là. C'est pas...
C'est pas grandiose, hein. J'ai connu des zones plus intéressantes. Ah, ça c'est très bien ça. C'est parfait. Et bah ça devrait être presque nickel ça. Plus qu'une petite zone de fine boss à trouver. Je pense qu'on sera pas mal. Voilà, très bien. On va sur l'île désolée, on récupère tout le bois qu'il nous faut. Ici on aura de la mangrove et du corail, je prends. Ici on a du corail et de la mangrove. Quelle? Est-ce qu'on pourrait avoir un petit peu de plage s'il vous plaît? Là on a de la plage et du corail. Bon. Ça, je vais finir la plage. Voilà, et je pense que là-bas doit y avoir du corail. Yep. Parfait, zone finie. On arrive sur le glacier volcanique. Hop là. On récupère un petit peu de tout. Là, on est parti. C'est parfait. Dans le secteur. Ah, ça va être bien, ça. Hop. Premier coup, nickel. On va récupérer ce qui nous manquait de mousse et maintenant il nous faut plus que la forêt de Varek et on aura terminé. Alors où est-ce que c'est caché? C'est drôlement bien planqué. C'est fâcheux. Ah, ici il y en a plein. Allez, on récupère. Parfait, je peux rappeler le satellite. Qui va bien évidemment tomber dans un endroit où ça va être pénible à récupérer, sinon c'est pas drôle. Allez, pose-toi, pose-toi. Voilà, nickel. On construit la flèche. On va aller ensuite poser les derniers bâtiments pour recycler. Je pense que là, ça serait le plus opti. Ouais, on peut tout récupérer. Et ceci devrait nous permettre de compléter cette dernière zone sans trop de problèmes. Parfait, la fusée est prête à lancer. On a fini de tout revégétaliser ici. Tant pis pour les aigles, on verra ça une prochaine fois. Ou pas. C'est parti, la terre tremble à cause des réacteurs de la fusée. Et nos aimables écolos qui a renaturalisé le monde, s'en vont vers une autre planète. La fusée remplie de graines pour aller continuer leur mission salvatrice sur un autre monde stérile. Quel monde magnifique! On n'a pas eu ce résultat-là nous-mêmes, hein. On va pas se mentir. Ça, c'est une belle séquence vidéo, ce n'est pas du tout extrait des parties qu'on a eues. La fusée s'en va. Et nous, si jamais on le souhaite, je vais passer les crédits, on peut continuer en fait de réhabiliter la planète, parce qu'on n'est pas à 100%. On a d'autres choses qui nous attendent. On pourrait très bien reprendre les parties et aller sur les cartes alternatives qui présentent des défis supplémentaires. Là, vous voyez, on va être à quoi? 61%? Voilà, à région alternative déverrouillée. Déverrouiller les versions alternatives de toutes les régions, sélectionner une région pour jouer avec sa version alternative. Et donc, en fait, sur ces versions alternatives, vous allez avoir davantage de défis, vous n'aurez pas exactement les mêmes bâtiments, vous n'aurez pas forcément les mêmes structures de départ, les mêmes facilités qu'il y avait sur
bah, les premières maps que nous venons de faire. Mais si jamais vous voulez les faire, je ne vais pas vous gâcher le plaisir et je ne vais pas vous spoiler un peu ce qu'il y a à faire sur ces zones-là. J'espère que cette découverte de Terranil vous aura plu. Moi, je me suis bien éclaté avec ce petit jeu. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Je pense notamment du Europa Universalis 4 qui devrait pas tarder à arriver. Et on va finir bien évidemment notre campagne de Pharaon. Et on a toujours du Cities of Skylines qui nous attend également. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao!